j'espère aussi. Tu m'envoies ça d'office. Ok. Voilà. Apporte le deuxième modem, ça. Les deux modems. Si ça donne, t'as pas appris. Ça s'est encore coupé tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? La connexion, non, les ou bien les gars signalent. C'est même pas la connexion. Les gens signalent. Les gars signalent la vidéo. Vrai, vrai. Bon, maintenant que moi je prends. Les deux modems sont hauts. Nous pouvons penser que le deuxième modem. Bon, chez moi ça marche. Ça veut dire qu'on signale pour vous. On signale pour nous. On signale pour vous. On signale, ça vient. Ça vient déjà. C'est bien avant. On y va donc. Allons-y vite, gagnons le temps. Oui. Pour monsieur, regarde. Et même ma main. Je te donne ça. Alors, chers internautes, bonsoir. Vous constatez tout de même, comme nous, nous avons accusé pratiquement un retard de 2 heures parce qu'on essayait de se connecter avec le directeur de campagne du MRC, M. Paul Likingé. Vous avez constaté au départ, nous avons essayé, tout allait dans la normale. Mais les gens ont signalé et ça ne nous a pas permis de poursuivre. Donc nous vous prions de mettre des cœurs et de partager au maximum afin que nous puissions suivre ce rendez-vous jusqu'au bout. Donc comme nous le disions tantôt, nous sommes avec le directeur de campagne du MRC, Paul-Éric Kingé, qui a vu sa conférence de presse de cet après-midi. Suspendu par les éléments de force de l'ordre. Alors, M. Paul-Éric Kingé, est-ce que vous pouvez, en un mot, donner l'impression que vous avez au regard de l'événement que vous avez vécu ce jour au QG, au quartier général du MRC? Oui, comme je l'ai dit, le regard que j'ai eu sur ce qui s'est passé cet après-midi est exactement ce que j'ai vu dans des films de l'époque, quand j'étais tout petit, notamment des films africains, hein. Dans lesquels on voyait des acteurs comme Idi Amin Dada. Vraiment, ce que j'ai vécu ce soir m'a rappelé ces moments-là. Ces moments d'une Afrique barbare et une Afrique complètement déréglée. Des moments alors que plus de 50 ans plus tard, nous devrions être en train de vivre autre chose. Voyez-vous, voici une élection présidentielle qui est en train de se faire. Alors que le principe de l'inviolabilité des quartiers généraux des candidats est un principe respecté partout au monde, nous sommes en pleine élection présidentielle. Il n'y a pas encore de résultat. Le contentieux n'a même pas encore commencé. Que le quartier général du candidat Maurice Kamto est complètement envahi de gendarmes et de policiers, une centaine environ. Comme si c'était un espace de brigands et un espace de terroristes. Alors, moi, ce qui m'a marqué, c'est que j'ai fini par comprendre que mon candidat fait peur, n'est-ce pas? Il fait véritablement peur. Parce que comment expliquer qu'en pleine campagne électorale, qu'on ne permette même pas déjà les points de presse dans le quartier général de ce candidat? Mais comment expliquer ça? Souvenez-vous qu'il y a quelques jours, je crois il y a 48 heures, un candidat avait appelé ses partisans à être debout et prêt à descendre dans la rue. Mais ce candidat n'a jamais été inquiété jusqu'à ce jour-ci. La simple information suivant laquelle je devrais tenir une conférence de presse au quartier général de mon candidat, dont je suis par ailleurs, pour le rappeler, directeur de campagne, amène la police à encercler toute la zone et à empêcher que le vote, je veux dire, que la conférence de presse se tienne. Voyez-vous, j'ai été très, 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 très choqué ce soir et j'espère vraiment que c'est une simple erreur de la part du sous-préfet de Yaoundé 4 qui a décidé que cet événement ne se tienne pas. Toute la presse était là, le décor était planté. Mais en fin de compte, la montagne n'a accouché que d'une souris, non pas parce que nous le voulions, mais précisément parce que l'administration est fébrile et a peur de tout ce qui sort de ma bouche et a peur de Maurice Kamto en général. Alors, M. Paul-Éric Kingé, d'aucuns vous disaient en cavale, plusieurs hommes de médias ont été surpris de vous voir atterrir au siège au quartier général du MRC.
Merci. Tout souriant dans vos postures qu'on vous connaît, qui est propre à vous. Est-ce que vous pouvez dire aux Camerounais sur quoi portait essentiellement votre conférence de presse? Qui a autant fait peur? Parce qu'on se souvient, après l'annonce de votre conférence de presse, le ministre de la Communication a lui également annoncé une conférence de presse à la même heure au ministère de la Communication qui n'a pas finalement eu lieu. Oui, disons que personnellement, pour répondre à votre première question, beaucoup de gens me pensaient en cabale, mais en fait, je ne suis pas en cabale. Je ne fais pas partie des gens qui peuvent être en cabale. Hein. Être en cabale suppose qu'on a peur d'être arrêté. Vous savez que je n'ai passé ma vie qu'à être arrêté. Donc, du coup, ça ne me dit plus rien. Donc, si la police veut m'arrêter, j'indique à la police où je suis. Elle vient et nous marchons ensemble pour aller. Et c'est moi-même qui leur demande d'ouvrir une cellule ou pas. Je ne peux pas être en cabale. Ce n'est pas parce que le ministre de l'administration territoriale, M. Atanganji, s'est agité dans les médias ces jours-ci que je devrais avoir peur. Bien évidemment, mon quartier est encerclé par la police, ma maison également. Ma maison est encerclée par la police, mais moi j'entre et je sors, je m'en fous. Il m'arrive même quelquefois de discuter avec eux parce que certains sont venus en tenue. Mais d'autres, c'était des, vous les appelez quoi, les antigans. J'ai découvert qu'ils étaient des antigans et nous avons parlé comme des hommes. Moi, je leur ai dit, ne vous gênez pas, vous n'avez pas besoin de vous cacher sous les manguiers pour me chercher. Moi, je suis chez moi et j'attends. Parce que nous sommes quand même dans un état que je suppose être un état de droit. Alors, si nous cessons d'être un état de droit, alors je me mettrai à votre disposition et je verrai qu'est-ce que vous allez me faire. Et je voudrais dire que je suis directeur de campagne d'un candidat et du principal challenger de M. Biya, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, imaginez un seul instant que l'opinion nationale et internationale apprenne que le directeur de campagne du challenger de Biya est en prison ou bien est arrêté. Ça ne viendra pas donner du décor à mon pays, mais ça ne viendra jeter que de la boue et de l'anathème sur mon pays. Donc en réalité, moi je ne peux pas être en cabale. Maintenant, vous voulez savoir pourquoi est-ce que de quoi je devais parler à cette conférence de presse? Je vous ai dit que je devrais parler d'abord, parce que je ne dois apparaître que lorsque les choses sont graves. Ces 72 heures, les choses sont effectivement graves. C'est-à-dire que depuis 72 heures, il y a un ensemble de résultats, n'est-ce pas, des élections qui circulent dans les réseaux sociaux et même repris par des médias conventionnels. Et j'avoue que je suis choqué. Je suis choqué parce que, en même temps qu'on demande aux candidats de ne pas sur les résultats, en même temps, l'administration fait glisser, n'est-ce pas, des informations pour préparer l'opinion à accepter les résultats qui sortent de leur fabrication, de leurs usines, de leurs petites usines électorales qu'ils ont placées ci et là. Alors, il était question que je sorte, parce que je ne pouvais pas continuer à admettre que le monde entier accepte, n'est-ce pas, ces résultats qui courent. Et comme ces résultats ne sont pas vrais, je vous demande de les rejeter en bloc. Rejeter complètement ces résultats en bloc. Parce que pour moi, c'est des résultats fabriqués dans des officines noires. Ce n'est pas des résultats issus des bureaux de vote. Est-ce que ce n'est pas un procès en sorcellerie? Sur quoi vous basez pour dire que ces résultats sont... Non, non, non. Ça ne peut pas être un procès en sorcellerie. Voyez-vous, nous avions 25 000 représentants dans 25 000 bureaux de vote. Je dis bien 25 000. Et nous avons donc les procès-verbaux signés, d'ailleurs, aussi bien par les représentants de l'ECAM que par les différents représentants des partis politiques dans les bureaux de vote. Or, qu'est-ce qui se passe? Pour qu'on ait ces résultats, je vais dire à l'opinion qu'est-ce qui se passe en réalité. Après l'élection, dans les bureaux de vote, on a donné des résultats. Et les résultats ont été rendus publics. C'était un raz-de-marée général sur l'ensemble du territoire camerounais et d'ailleurs dans une très bonne partie de la diaspora. Le professeur Kamto a eu les meilleurs scores possibles dans
la majorité des bureaux de vote, hormis, bien évidemment, certaines parties du sud du Cameroun. Mmh. Ça aussi, ça peut se comprendre. Souvenez-vous que le mentor d'un candidat déclarait dans une chaîne de télévision hier qu'il a constaté que dans son village, même sa grand-mère qui était décédée a voté, son papa qui était mort depuis des années a voté, c'est ce qui s'est passé au sud du Cameroun. Bon, le sud pour moi étant un peu négligeable hein, en termes de nombre de votes, nous ne pouvions donc pas accepter qu'une telle forfaiture soit montée pour démontrer qu'à l'ouest, qu'à l'extrême nord, qu'au nord, qu'à l'est et partout ailleurs, le RDPC a gagné. Ça, on ne pouvait pas l'accepter. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Parce qu'il est important que les gens sachent qu'est-ce qui se passe pour les votes au Cameroun. Après donc, les élections du 7, le lendemain, les différentes commissions départementales ont décidé de siéger, comme le prévoit la loi, comme l'indique la loi. Alors, les commissions siègent sur la base des PV venus des différents bureaux de vote. Mais alors, qu'est-ce qui nous a marqué le plus ici? C'est que chaque fois que les commissions départementales faisaient leur rapport, elles ne faisaient plus signer ces rapports par les représentants des partis politiques. Seul, en général, le président de la commission départementale signait le rapport. Ce qui est en soi une véritable tricherie. Vous ne pouvez pas, alors qu'il y a des représentants des partis politiques, signer un procès-verbal sans amener ces représentants à signer également les différents procès-verbaux. Alors, qu'est-ce qui s'est donc passé? C'est que ces gens qui sont pour la plupart des présidents des tribunaux de grande instance et de première et de grande instance ont envoyé des rapports à la commission centrale de dépouillement des votes en leur disant « Bia a eu ceci à tel endroit, Matomba a eu ceci, Kamto a eu ça » sans faire signer leur rapport par les représentants des différents candidats. Du coup, on s'interroge, quelle est la valeur de tel document alors que les représentants des différents candidats ne l'ont pas signé? Dans la plupart du temps, tous les bulletins, tous les rapports qui ont donc pondu ces fameux résultats que vous êtes en train de regarder dans les réseaux sociaux sont la sommation, dont la somme des différents résultats, des différents rapports des présidents des commissions départementales de vote. Et nous, on ne peut pas accepter ces rapports pour la simple raison que nos représentants n'ont pas signé ces différents documents montés savamment par les présidents de première et de grande instance qui sont donc les présidents des commissions départementales sur l'ensemble du territoire camerounais. Mais messieurs les journalistes, je voudrais vous poser une question. Elle est bête. Mais comment peut-on être allé à une élection? Nous sortons d'une élection alors que les procès-verbaux portent les signatures de tous les représentants. Les rapports départementaux ne portent la signature d'aucun représentant de parti politique. On ne peut pas accepter de tels résultats. Nous avons des procès-verbaux. Et c'est sur la base de nos procès-verbaux que nous avons déclaré notre victoire sur le régime grabataire actuel. Alors pour nous, et ça c'est ce que prévoit la loi, en cas de contestation, c'est le procès-verbal sorti des bureaux de vote qui prime. Alors il s'agira donc pour nous de recuser et de contester de manière tout à fait ferme ces différents rapports venant des commissions départementales et exiger que finalement c'est les procès-verbaux issus des urnes qui soient pris en compte. D'ailleurs, souvenez-vous qu'il n'y a pas longtemps, une grande puissance dans le monde exigeait qu'on fasse des décomptes bureau de vote après bureau de vote. Les procès-verbaux en notre possession donnent largement le professeur Maurice Kamto vainqueur de cette élection. Et nous nous en tenons à ça, parce que c'est les procès-verbaux qui sont
plus important que toute autre chose pour nous. Monsieur, vous allez les rendre publics, vous allez publier, vous allez dévoiler. Dès demain, voilà. Soyez rassurés, j'appelle la presse nationale et internationale, nous allons montrer tous ces procès-verbaux, les procès-verbaux, en tout cas, autant qu'on le pourra, parce que quand s'il faut montrer les procès-verbaux, ça nous prendra 2 ou 3 jours. Les procès-verbaux vont être présentés devant la presse, mais aussi, en même temps, les rapports des commissions départementales. Vous allez voir que certains rapports commencent par des tableaux, sans aucune introduction, et à la fin, on a la conclusion du président du tribunal de première et grande instance. On ne sait pas de quoi il s'agit. Vous allez voir d'autres rapports qui ne sont même pas du tout signés, même pas signés, même pas par le président de la commission départementale. Et c'est ça qu'on nous impose, et c'est ça qu'on veut que nous acceptions comme résultat. Moi, je dis, on n'acceptera jamais ça. Bien. Maintenant, quel regard portez-vous sur les formes de menaces qui sont faites depuis ces derniers jours par le ministre de l'Administration territoriale, Paul Attanga? Pour moi, le ministre de l'Administration territoriale est un agitateur. Et quand je le vois, quand je le regarde, il transparaît dans son regard quelqu'un qui est la face visible d'un complot contre l'État du Cameroun. Le ministre Attanga me semble être quelqu'un qui est monté pour déstabiliser le pays. Je vous le dis parce que de mémoire d'homme, de mémoire de Camerounais, j'ai jamais vu ce type de ministre au Cameroun. Je comprends que son comportement peut être un tout petit peu dicté par le nombre d'années qu'il a passé à l'école. Parce que ça aussi, il faut dire merci à Magellan qui a créé l'école. Ça, ce comportement peut être dicté par ce genre, par cette histoire-là. Mais moi, par Charlemagne, pardon. Donc, admettons-le honnêtement, moi, j'ai vu des ministres de l'administration territoriale qui se donnaient un peu de poids, un peu de kilo. Chaque fois que M. Attanga sort, regardez bien ses yeux. Vous avez l'impression qu'il est passé par une antichambre avant de venir parler aux citoyens camerounais. Et ça n'honore pas l'État du Cameroun. Pourquoi? Parce que c'est avant tout un ministre de l'administration territoriale. C'est-à-dire que celui qui est chargé de maintenir la paix. Mais un homme qui est chargé de maintenir la paix ne peut pas apparaître aux yeux des Camerounais comme un agresseur, comme quelqu'un qui a passé des mois et des semaines dans une cellule de prison, mais comme un agresseur, comme un vulgaire agresseur. Moi, je dis, c'est incompréhensible et c'est inadmissible. Ça ne fait pas honneur à notre pays. Le président Paul Biya Sol sait pourquoi il l'a nommé. Parce qu'en réalité, nommer un personnage comme celui-là pose forcément un problème. Je dis que ça ne vend pas l'image du Cameroun. Pour votre gouverne, j'ai discuté avec une journaliste d'un journal célèbre dans le monde, basé en France, qui est au Cameroun, qui m'a dit, j'ai pris part à la conférence de presse de votre ministre, mais j'avoue que j'ai voulu sortir parce que de mémoire de journaliste, j'avais jamais vu un ministre se comporter de la sorte. Monsieur Attanga menace tout le monde, mais il est même allé jusqu'à menacer mon candidat. Vous voyez ? On est dans un pays terrible, un pays où un ministre de l'administration territoriale, comme Attanga, peut prendre sur lui d'apostropher un agrégé, un professeur que beaucoup de pays dans le monde sont encore depuis 60 ans en train de fabriquer. Je dis qu'il y a des pays dans cette Afrique qui sont encore en train de fabriquer l'équivalent de Maurice Kamto. Mais nous sommes dans une situation où, alors que nous n'avons pas de manière exacte, le nombre d'années du ministre de l'administration territoriale, le nombre d'années passées à l'école, nous n'avons pas de manière exacte sa traçabilité académique. Mais vous voyez ce monsieur, parce qu'il est couvert par un décret du président de la République, prend sur lui de ridiculiser un candidat, et qui plus est, un candidat de grande facture, un candidat de forte épaisseur, comme le professeur Maurice Kamto. Il était donc urgent que je sorte pour rappeler au ministre Attanga que mon candidat n'est pas un vendeur de soya au quartier. Mon candidat est un professeur des universités universelles, c'est-à-dire qu'il enseigne aux États-Unis, il enseigne en France, il enseigne partout. Je redis, il y a des États qui sont encore en train de fabriquer des gens de l'espèce de Maurice Kamto. Et ça, je ne peux pas tolérer en tant que directeur de campagne que le Minat,
disent des choses aussi graves. Il est même allé, croyez-moi, jusqu'à dire que c'est son sous-préfet qui va s'occuper de Moïse Kamto. Mais vraiment, quand je l'ai entendu dire ça, deux choses me sont venues en tête. Ou alors, M. Atangandi a l'équivalence intellectuelle de la fonction qu'il occupe, auquel cas, il sait de quoi il parle, ou alors il n'en a pas, auquel cas M. Biya a dû se tromper. Parce que vous ne pouvez pas, alors que vous êtes ministre de l'administration territoriale, dire qu'un sous-préfet va s'occuper d'un candidat. M. Atangandi, pour sa gouverne, et ça il faut qu'il aille lire les cours de droit administratif, un sous-préfet n'a pas de pouvoir pour signer un mandat, n'est-ce pas, un mandat de garde à vue administrative contre quelqu'un. Le sous-préfet n'a pas ce pouvoir. Qu'il soit donc dit à M. Atangandi, peut-être par des répétiteurs qu'il va prendre ces jours-ci pour le poste qu'il occupe, que seuls les préfets signent donc des mandats administratifs, des mandats de garde à vue administratifs. Mais M. Atangandi ne s'est pas seulement arrêté à ce niveau. Il m'a même menacé, moi. Je dis, ok, moi je suis un prisonnier. Oui, ok, je suis un prisonnier, j'ai mis 8 ans en prison. Mais il me semble que c'est mon ancien copain de prison. C'est-à-dire qu'il a aussi mis 8 ans de prison comme moi. Et donc, on peut s'expliquer comme des anciens prisonniers, lui et moi. Mais en réalité, je ne peux pas accepter qu'il froisse un professeur de rang émérite comme le professeur Maurice Kamto. Ça, il était important que je sorte pour faire cette mise au point. Maintenant, je voudrais apprendre à l'opinion nationale que M. Atangandi ne sait pour lui dire de conseiller rapidement à son fils de quitter derrière Kamto, de quitter Kamto. Vous pouvez imaginer ça. Mais quand je regarde le visage de Valsero, ce grand patriote, il se dégage qu'il est quand même majeur. Et qu'un père n'a donc rien à dire à un majeur. Même en pays béti, les Camerounais doivent savoir que M. Atangandi l'a fait il y a quelques heures. Il a appelé le père de Valsero. Alors, lorsque vous ajoutez à ceci le fait que il se comporte exactement comme si le Cameroun a commencé avec lui et que le Cameroun va finir avec lui, je voudrais rappeler à M. Atangandi qui a eu des prétentieux et des fougueux comme lui dans le gouvernement de M. Biya en 36 ans. Mais ils sont à Kondengi. Ça veut dire qu'au moment où il se comporte comme s'il est Superman ou Spider-Man, il faut qu'il sache qu'il y a des gens qui se sont comportés comme ça, mais qui sont à Kondengi. Donc, en fait, qu'il fasse très attention, parce que cette fois-ci, il n'a pas affaire à la vingtaine de gars qui l'ont pourchassé dans son village, comme un rat. Il a affaire à un peuple. Il a affaire à 2 millions de Camerounais. Il a affaire à 3 millions de Camerounais. Il a affaire à 5 millions de Camerounais qui, s'ils sont déchaînés, il n'aura plus moyen de faire valoir ses fameux pouvoirs de ministre de l'administration territoriale. Nous, on est un parti, on est une coalition légaliste. On est une coalition responsable. Nous n'avons pas besoin d'appeler le peuple camerounais à la révolte. Si M. Atangandi nous attend sur ce terrain, nous ne le servirons pas. Nous ne lui donnerons jamais cette occasion. Il doit savoir que le peuple camerounais est mature. Et ce peuple défendra son vote. Dès l'énoncé, dès le prononcé des résultats, ce peuple va défendre son vote sans avoir besoin que M. Kamto appelle à la révolte. Où M. Paul-Henri Kinguin appelle à la révolte. Moi, je n'ai pas besoin d'appeler à la révolte. M. Kamto n'en a pas besoin. Alors, moi, je pense qu'il est question que M. Atangandi intègre, qu'il est plutôt en train de s'attaquer à des millions de Camerounais. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que quand je vois M. Atangandi, la première impression, c'est qu'il doit être un agent à la solde des gens qui est chargé de déstabiliser le Cameroun. Parce que jusqu'ici, le Cameroun est en paix. Le Cameroun est en paix. Malgré nos revendications. Mais voilà un homme qui passe ses journées à menacer les candidats, comme si des candidats, comme si on se levait un matin pour devenir candidat. Ceci est vrai pour mon candidat, mais c'est aussi vrai pour les autres candidats. Les candidats méritent d'être respectés.
Le Cameroun est l'un des rares pays au monde où on ne respecte pas le candidat. Monsieur Cabral Libi mérite d'être respecté. Monsieur Matoma mérite d'être respecté. Le pasteur Ndifor mérite d'être respecté. Tous les autres candidats méritent d'être respectés, y compris Joshua aussi et les autres. Je ne peux donc pas comprendre qu'un ministre de l'administration territoriale confonde le rôle d'un acteur de karaté dans les anciens films chinois à celui du ministre de l'administration territoriale. Comme il semble donc trop fort, et qu'il dit qu'il est trop fort, qu'il nous arrête donc. Mais qu'il nous arrête, mais qu'il prépare en même temps 20 000 cercueils, 2 millions de cercueils. Il faut que ces gens sachent que le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Le Cameroun, ce n'est pas une affaire d'Atanganji parce qu'il est devenu ministre, ou alors une affaire de Chiroma. Vous savez, le Cameroun est l'un des rares pays qui met sa parole entre les mains d'un mécanicien du chemin de fer. Vous savez que le ministre Chiroma, c'est un cheminot. Donc, on ne met pas la parole dans la bouche des mécaniciens du chemin de fer. On met la parole dans la bouche des gens qui ont appris un peu de diplomatie et qui doivent parler de manière réservée à leur vis-à-vis. Ici, là, nous avons droit à un film de karaté chinois où nous voyons des ministres se comporter comme des gamins du quartier. Alors, si c'est dans ces conditions qu'ils entendent nous faire taire, nous, on leur dit qu'on ne se taira jamais devant de telles menaces. On ne menace pas un gars qui a mis 8 ans en prison. On ne menace pas un gars qui considère la prison comme le Hilton. Parce que pour moi, la prison est comme le Hilton. Il m'envoie là-bas ce qu'il m'a envoyé au Hilton. Mais je suis sûr que s'il m'envoie là-bas, il y aura beaucoup de kings qui vont se lever de part et d'autre pour demander des comptes. Les Camerounais ont donc le droit de revendiquer leur vote et qu'ils revendiquent leur vote. Ils n'ont pas besoin de nous. Nous, on ne donnera jamais de mot d'ordre pour que les votes soient revendiqués. Le peuple camerounais est mature. Croyez-moi, sur l'ensemble du territoire, les Camerounais sont prêts à revendiquer leur vote et nous demandons à ces gens-là de revendiquer leur vote. Maintenant, s'il vous plaît, je parlais des différentes provocations du ministre Atanganji et du système en place. En réalité, ils veulent qu'il y ait émeute pour qu'on nous fasse porter la responsabilité. Moi, j'en sais quelque chose, puisque j'ai été poursuivi pour les émeutes de février 2008. J'étais couché chez moi, mais on a dit que non, pourquoi le maire est couché? Il est certainement couché parce qu'il savait qu'il y a quelque chose dehors. Et on m'a condamné. C'est ce qu'ils sont en train de rechercher. Mais nous, on ne les servira pas. On ne leur donnera pas cette possibilité. Parce que, voyez-vous, ils multiplient les provocations chaque jour. Vous savez, par exemple, que à Banganté, les représentants du MRC ont été chassés des salles. Vous savez qu'à Garoua, à Maroua, à l'Est, et même à Genève, les représentants du MRC ont été chassés des bureaux de vote. Voici des gens qui disent vouloir gagner une élection, mais ils ne veulent personne d'autre pour les contrarier, alors que les règles du jeu demandent qu'il y ait des représentants des autres partis dans des bureaux de vote. Donc, permettez-moi de vous dire ce soir que les problèmes ne viennent pas du professeur Maurice Kamto, ni de sa coalition. Les problèmes viennent de l'État du Cameroun, qui passe le temps à multiplier des provocations. L'autre provocation, c'est par exemple l'arrestation de notre ami du parti, M. Okala Ebodé. Voici un Camerounais qui débarque dans son bureau de vote et qui constate que on a voté en ses lieux et places. Et on a aussi voté en lieu et place de sa femme. Il le fait savoir avec vigueur. Mais c'est lui qu'on transforme en prisonnier. Alors qu'en réalité, celui qu'on doit mettre prisonnier, c'est le président de ce bureau de vote qui a fait voter des gens en lieu et place de M. Okala Ebodé. Et lorsque vous passez à la PJ centrale, il y a une ceinture sécuritaire telle que donnant l'impression que Okala Ebodé est un terroriste. Vous savez qu'il joue maintenant avec le code
pénal. Tantôt c'est du terrorisme, tantôt c'est si. Voici un État qui n'a pas pu donner de l'eau à ses citoyens, au plus profond des villages, même en pleine ville. On boit de l'eau en prenant, on attend les saisons de pluie pour ramasser de l'eau par terre. Un État comme celui-là, mais un État qui sait manipuler la justice pour traquer les gens, pour arrêter tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Nous avons donc dit cette fois-ci, ils vont arrêter des millions de Camerounais. Les cellules sont trop petites pour contenir les millions de Camerounais. Le président Kanto et nous allons revendiquer jusqu'à ce que nous soyons mis dans des cercueils notre victoire. Parce que nous avons les PV qui prouvent que nous avons gagné et nous attendons être assassinés et, ou alors enfermés par ces autorités-là. Maintenant, nous avons des étudiants de l'ENAM, qui sont en stage en Ngaoundéré, qui ont voté en Ngaoundéré. Ils ont voté en Ngaoundéré. Je ne suis pas sûr qu'ils ont eu une dérogation spéciale, mais tous ont voté en Ngaoundéré. Vous pouvez imaginer ça. Donc, il y a tellement de fraudes que si je veux en citer, ça va être des chapelets et des chapelets. Mais je dis que demain, nous vous promettons déjà les PV, départementaux, où vous allez voir que personne n'a signé, n'a rien signé. Mais on nous fait admettre que ça, c'est les résultats qu'il faut donner à M. Paul Biya. M. Paul Biya, qui a fait un seul voyage au Cameroun, c'est-à-dire qui est allé à l'extrême nord, mais qu'on veut déclarer vainqueur, comme s'il y a un endroit dans ce monde où on gagne une élection en dormant dans son lit, en dormant dans sa chambre. Ça, ce serait quelque chose de... ce serait jamais vu dans le monde. Alors, il faut que ces gens le sachent. Le peuple camerounais est mature et le peuple camerounais n'attendra pas que Kamto, Paul-Éric Kingé, Christian Pendaïkoka, Bibou Nissak et tout ça, que nous donnions des mots d'ordre. Nous ne donnerons pas les mots d'ordre. Le peuple camerounais défendra lui-même sa propre victoire parce que n'oubliez pas que ces gens se sont déplacés pour aller vers les urnes. Et ils aimeraient savoir qu'est-ce que, et tout ce qu'ils ont mis dans les urnes, qu'est-ce qu'il en devient. Donc, nous n'aurons pas besoin d'inciter les gens ni à la révolte, ni à la grève. Et il faut bien regarder une autre provocation. Ces dernières heures, alors que nous sommes dans un état suffisamment fragilisé par le problème du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, l'État monte des gens qui se donnent de faux profils pour appeler au tribalisme. Regardez les exacerbations du tribalisme ces dernières semaines au Cameroun. Au nom de quoi les gens peuvent-ils dire qu'une tribu peut gérer le Cameroun et une autre ne peut pas gérer le Cameroun? Au nom de quoi? J'ai envie de comprendre. Moi, je ne suis pas Bamileke. Je ne suis pas Bamileke. Pour des gens qui veulent le savoir, mon père était de Dibombay, c'est dans le Mungo. Sa mère était Bamileke. Ma mère est Ewodi dans le Vouri. Et, je vais dire dans le Vouri physiquement, mais dans le département du Nkam administrativement. Et la mère de ma mère était de Onaprizo. Au total, donc, j'ai 75% de gènes Sawa et 25% de gènes Bamileke. Mais pourtant, j'ai décidé de suivre le professeur Maurice Kamto. Ce n'est pas par tribalisme. Un gars qui a 75% de gènes Sawa, qu'il suive un Bamileke, ne peut pas être justifié par le tribalisme. Je vous prends le cas de M. Pendaïkoka. M. Pendaïkoka est d'Aïdo. Il est de Douala. Pourquoi suit-il M. Kamto? Est-ce par tribalisme? Valsero est du centre. Pourquoi suit-il M. Kamto? Est-ce qu'il est lui aussi tribaliste? Comment on l'appelle? Jean-Pierre Bekolo, ce cinéaste respecté à travers le monde, Richard Bonin, tout ce monde a appelé à voter le professeur Maurice Kamto, alors qu'ils ne sont pas Bamileke. Autour même de Maurice Kamto, regardez son premier vice-président, il est de l'extrême nord. Regardez son deuxième vice-président, elle est du centre. Regardez son troisième vice-président, elle est du nord-ouest. Donc, vous avez de la peine. Vous savez combien j'ai été critique avec le professeur Maurice Kamto. J'ai tellement été critique avec lui que
les jours que j'ai passés à ses côtés, si ces jours, s'il laissait seulement transparaître un seul instant le moindre soupçon de tribalisme, je l'aurais quitté. Mais je suis resté à ses côtés jusqu'à ce jour, parce que j'ai vu un homme pour qui le tribalisme n'a aucune valeur, pour qui le tribalisme n'a aucun sens. Mais regardez comment les gens se mobilisent à travers le monde. Si vous dites à quelqu'un maintenant que quand tu es chez vous, on vous envoie l'armée, vous voyez à quel niveau ce gars a rendu fébrile l'État central, des hommes si forts comme Atangandji qui tremblent. Soyons quand même un peu sérieux. Je dis que nous sommes dans un état où les gens qui nous dirigent doivent faire attention. L'arme qu'ils sont en train de manipuler est une arme fatale qui peut déstabiliser notre pays. Ils n'ont pas le droit de monter des gens au faux profil qui doivent se présenter à chaque fois comme des pourfendeurs d'une tribu. Pour moi, opposer les tribus aux tribus est un jeu très dangereux pour la stabilité de notre pays. Alors, qu'on laisse M. Kamto tranquille. Ce monsieur n'a rien de tribaliste. Ce monsieur, nous tous qui avons décidé de coaliser avec lui, personne de nous n'est Bamileke. Peut-être en dehors de Zongan. Mais ça aussi, c'est normal qu'un Bamileke se rapproche de lui. Mais moi, je ne comprends pas. Au nom de quoi ces gens qui, pendant 36 ans, n'ont pas pu donner l'eau à leur population, ni la lumière, pensent que les autres n'ont pas le droit de diriger ce pays. J'appelle les populations camerounaises, j'appelle le peuple camerounais à ne pas suivre ces gens-là. En fait, leur problème est de masquer leurs échecs. Ils ont échoué et ils n'ont pas le droit de manipuler l'arme de la tribu. Parce que l'arme de la tribu peut nous verser dans une guerre comme celle du Rwanda. En tout cas, pour ce qui est de la coalition autour du professeur Maurice Kamto et de Maurice Kamto et de moi-même, nous sommes contre toute forme de tribalisme. Maintenant, les oiseaux de mauvais augure qui naissent de part et d'autre par de faux profils, à travers de faux profils, et quelques-uns même se faisant passer pour des intellectuels, que moi j'appelle vraiment des pseudo-intellectuels, et qui agitent la toile sur des questions de la tribalité, il faut qu'ils fassent très attention. Ce pays, si M. Biya et son régime ne les jugent pas, l'histoire les jugera. Parce qu'on ne joue pas avec l'histoire. L'histoire finit toujours par nous rattraper dans nos bêtises. Moi, je pense que j'ai rencontré un professeur, quelqu'un de très bien, quelqu'un qui a enseigné les gens de toutes les nationalités et de toutes les tribus, quelqu'un qui aurait dû, par sa fonction, qui doit, par sa fonction, enseigner les gens sans savoir qui est-ce qu'il est en train d'enseigner. J'ai rencontré un professeur, quelqu'un d'assez épais. Monsieur Kamto, vous ne l'entendrez jamais parler des affaires de tribus. D'ailleurs, pendant les meetings, il passait le temps à demander, est-ce qu'on choisit d'être né là où on est né? On ne choisit pas d'être né là où on est né. Et le professeur Kamto est même allé loin pour dire que s'il y avait un concours pour devenir Bassa, Betty, Ewondo, ou je ne sais pas quoi, il aurait lui aussi fait ce concours pour changer de tribu de temps en temps. Donc, quand quelqu'un tient un tel discours, il est sincère. Il est véritablement sincère. Je vois des gens qui se disent, qui se font passer pour des intellectuels camerounais, qui agitent la toile. Il faut qu'ils arrêtent ça. Il faut qu'ils arrêtent ça. Il faut vraiment qu'ils arrêtent ça. Parce que le Cameroun n'a pas besoin de ça. Le Cameroun a besoin d'un État uni. Le Cameroun a besoin d'un État où chacun et chacune se sent concerné par la nation. Le président Amadou Ahidjo s'est évertué à construire cette nation. Le régime de M. Biya a brisé complètement cette nation. Aujourd'hui, nous savons qui est du sud-ouest, qui est du nord-ouest. Nous savons qui est Betty et qui est du nord. Nous, on a grandi, on ne savait pas des choses comme ça. Parce que le président Amadou Ahidjo avait réussi à bâtir un État où nous ne savions pas. Moi, je suis né, par exemple, à Douala. Mais j'ai grandi à Pendja. Je suis né à Douala où j'ai passé 15 jours après ma naissance. C'est-à-dire, ma mère m'a ramené à Pendja. Et j'y ai grandi. Mais derrière moi, c'est des Bamileke. À côté, de l'autre côté de la route de chez moi, c'est des Mbang, c'est-à-dire des gars d'une camp.
À côté de moi, c'est des Bandels, des gens des tribus différentes. Nous avons grandi sans connaître ces différences. Mais le régime actuel vient exacerber cette affaire de tribalisme. Il faut qu'ils arrêtent ça. Tout ce qu'on leur demandait, c'était de donner l'eau aux populations camerounaises. Tout ce qu'on leur demandait, c'était d'arranger les routes. Regardez, est-ce que vous savez, cher monsieur, que la plus grande escroquerie du siècle s'est faite au Cameroun? C'est-à-dire qu'un pays où le président vous dit d'attendre 2035 pour faire le bilan de ce qu'il a fait. Entre-temps, sa fille paye les taxis de 200 euros, de 200 dollars, eux-mêmes ils mangent, ils se construisent de grandes maisons, mais ils vous disent que non, en 2035, laissez-nous d'abord manger, on fera le point avec vous en 2035. Alors qu'il sait pertinemment qu'en 2035, il sera entre 102 ans et 105 ans, donc il ne sera même plus là. C'est la plus grosse escroquerie qui puisse exister dans ce monde. Regardez tout ce que vous appelez projet structurant. Aucun n'a abouti jusqu'à ce jour. Ces gens volent comme des souris. Ces gens volent comme des rats. Et quand ils veulent masquer, n'est-ce pas, leur faiblesse, ils agitent l'arme du tribalisme. Les Camerounais n'ont pas le droit de les suivre dans cette histoire. Qu'ils laissent les chefs traditionnels, au lieu de continuer à les agiter comme ils sont en train de le faire ces jours. Quand vous ouvrez un journal de CIA TV, on vous montre les chefs traditionnels Sawa, les chefs traditionnels du Nord, qui disent non à Maurice Kamto. Est-ce que les chefs traditionnels ont le droit de dire non à un citoyen camerounais? Le citoyen Kamto a aussi le droit d'être candidat. Et il a été candidat, et il a été largement plébiscité. Mais qu'on ait peur qu'un Bamileke arrive au pouvoir relève à la limite pour moi de la provocation. Ça relève de la sorcellerie. Eux, ils ont mis 36 ans au pouvoir. Qu'ils permettent également aux autres de changer. On a envie de voir l'expertise de chacun, les capacités de chaque tribu. On a envie de voir ça. Souvenez-vous que le professeur Joseph Onan, dans l'une de ses sorties il y a quelques années, disait que pour lui, le pouvoir devrait même être aller d'une région la à rotation. Une autre. Devrait même être rotatif. Pourquoi ne l'a-t-on pas tué? Alors, tous les jours, ils sont dans la provocation. Ils nous provoquent parce qu'ils veulent, le moment venu, utiliser la justice qu'ils savent si bien utiliser pour dire « Kinga a fait ceci, Kamto a fait cela ». Nous ne leur donnerons pas cette occasion. Ce sont des gens qui sont morts dans leur propre film. Nous ne leur donnerons pas cette occasion. Les Camerounais sont matures et ils vont revendiquer leur victoire. Ils n'ont pas besoin d'un mot d'ordre venant de nous. Monsieur Kamto a gagné l'élection et on s'en tient là et ce sera ça jusqu'à ce que Monsieur Atangandi aligne 2 000 cercueils pour nous enterrer, Kamto et moi, ou alors 2 millions de cercueils, parce que ces millions de personnes qui ont voté pour Monsieur Kamto leur demanderont leur vote. Parce que ces gens ne sont pas prêts à laisser leur vote s'envoler. Mais nous, on n'appellera pas les gens à descendre dans la rue parce que nous avons une très haute idée de la République. Nous sommes moins agités que M. Atangandi. Nous sommes moins agités que M. Tiroma. Alors, vous faites là une précision que nous attendions tous, le fait de ne pas appeler les gens à aller dans la rue. Et quel est le dernier recours au cas où votre bureau à cette étape où le contentieux post-électoral démarre demain, votre bureau que le Conseil constitutionnel, quelle est l'étape que vous avez prévue? Non, je ne peux pas dévoiler l'étape ici. Mais les Camerounais se rendront à l'évidence que nous ne laisserons pas notre victoire être volée. Croyez-nous, nous allons continuer. Les Camerounais se rendront à l'évidence que on peut avoir volé le vote de M. Frundi. Peut-être parce qu'il était entouré à l'époque de quelques gens qui n'avaient pas la texture qu'il fallait. Ils ont affaire cette fois-ci aux gens, au cerveau. Nous, on est des cerveaux. M. Mouna est un cerveau. M. Kamto est un cerveau. Valsero, c'est un cerveau. M. Pendaïkoka, c'est un cerveau. Le jeune Bibou, c'est un cerveau. Moi-même, je suis un super cerveau. Il faut que les gens fassent très attention. Ils ont affaire aux garçons. Et ils verront comment nous allons déployer notre programme. Nous allons déployer notre programme de manière à faire comprendre au monde entier que ces gens sont illégitimes et ils n'ont pas le droit de continuer à diriger les Camerounais. Soyez patients, c'est une question d'heure.
C'est une question d'heure. Laissons nos avocats aller plaider demain, parce que le contentieux va être plaidé demain. Laissons nos avocats, nous avons une équipe choc d'avocats et qui sont en train de travailler pour aller plaider demain. Mais je voudrais que tous ceux qui ont voté pour Moïse Kamto soient rassurés que nous ne baisserons pas les bras jusqu'au dernier moment. Moi, j'attends que M. Atangandi vienne m'arrêter. J'attends que tout ce monde-là vienne m'arrêter. Moi, j'attends. Je continue à attendre, à être arrêté. Parce qu'il faut qu'ils sachent que le Cameroun ne leur appartient pas et que le Cameroun appartient à tous les Camerounais. C'est un héritage commun. Le monde entier a envie de voir comment Paul Biya a arrêté son principal opposant et son directeur de campagne et ses collaborateurs. Le monde entier a envie de voir ça pour finir donc par classer le Cameroun dans le registre des pays les plus sombres au monde. Nous, on est prêts. On est prêts à donner nos vies pour ça. Donc, qu'ils soient rassurés, les intimidations de M. Atangandi ne nous impressionnent pas. Vraiment, il faut qu'on aille lui dire que quand il s'agite là, en ouvrant les yeux grandement dans le canal 2 et partout là, vraiment, il ne nous fait pas peur. Il aurait fait ça à un villageois dans un village là, que oui. Mais il faut qu'il fasse attention. Là, il est en train de s'amuser avec des millions de Camerounais, non plus avec les 20 gars qui l'ont chassé de Bamenda comme un rat. Il faut qu'il fasse très très attention. Parce que ça ne va plus être les 20 gars qui l'ont pourchassé comme un rat. C'est la nation tout entière. Et la nation tout entière veut les voir nous arrêter. Qu'ils nous arrêtent parce que nous avons été concurrents à M. Biya. Et l'histoire retiendra qu'ils nous ont arrêtés parce qu'on a été concurrents à M. Biya. Et les gens là doivent apprendre à avoir honte. Il faut qu'ils apprennent à avoir honte. L'histoire les jugera. Mais en attendant que l'histoire les juge, nous leur résisterons jusqu'à ce qu'ils nous mettent dans des cercueils. Ça, qu'ils soient rassurés, ça, je parle là au nom de la coalition de Maurice Kamto. Je n'ai pas improvisé cette réunion. Je parle là au nom de cette coalition. Qu'ils soient rassurés, nous leur résisterons jusqu'à la dernière seconde. Et qu'ils nous croient, la résistance sera farouche. Elle sera farouche. Elle ne sera pas armée, mais elle sera farouche. Elle sera une résistance des hommes intelligents, mais des gens, des républicains également. Mais cette fois-ci, ils trouveront des républicains véritablement farouches sur leur chemin. Ils peuvent s'agiter, ils peuvent préparer le chemin à un président qui fait à peine 7 minutes de discours maintenant. Oui, mais nous attendons. M. Biya a dit au monde entier qui voudrait qu'on garde de lui le souvenir de l'homme qui a apporté la démocratie dans ce pays. Peut-être qu'en nous tuant tous, on gardera donc de lui le souvenir de l'homme qui a apporté la démocratie dans ce pays. Nous attendons donc qu'il devienne trop démocrate en nous tuant tous, comme le propose le Pomain, son ministre de l'administration territoriale. Mais je suis convaincu quand même d'une chose, que M. Atangandi doit certainement embarrasser beaucoup de pontes du RDPC. Parce que moi, j'ai été dans le RDPC un peu. Je sais que c'est des gens qui n'ont pas de tempérament. Beaucoup sont des voleurs. Hein. C'est des voleurs à 97%. Ça, croyez-moi, les gens du RDPC. Mais ce n'est pas des gens au comportement rugueux et même au comportement barbare comme celui qu'affiche M. le ministre de l'administration territoriale. Bon, comme je l'ai dit au début, il peut s'avérer que son comportement se justifie par le nombre d'années qu'il a passé à l'école. Hein. Donc ça aussi, je le dis clairement, sans embâche. Je ne sais pas combien d'années il a passé à l'école, je ne veux pas le juger, mais je dis qu'en général, l'école est bien. En général, l'école est bien. Et comment on l'appelle, celui qui a créé l'école, là. Charlemagne a bien fait de créer l'école. Parce que l'école sait nous polir, l'école sait nous faire des finitions dans nos comportements. Mais là-bas, je semble ne pas voir de très belles finitions. Et je dis donc que nous attendons notre mort. J'appelle le peuple camerounais à être à l'écoute et à voir comment on veut nous tuer. Et à voir comment on veut nous arrêter. Et il faut que ce peuple entende qu'on veut nous arrêter. Et que donc ce peuple se dise, le moment venu, vous arrêtez ces gens-là, vous allez nous arrêter tous.
Alors, pour le Eric Inge, s'il n'y a pas lieu de craindre une crise post-électorale, si jamais le Conseil constitutionnel rend public les résultats, qui ne rencontre pas l'assentiment. Je vous ai dit qu'en ce moment, vous parlez de craindre une crise post-électorale. On en est, on y est en plein, on y est complètement. À partir du moment où vous nous donnez des procès-verbaux départementaux qui ne sont pas signés, ça ouvre la voie forcément à une crise post-électorale. Nous disons que nous sommes dans la crise post-électorale. La différence entre nous et les autres va être que nous n'importerons pas les armes, mais nous les laisserons tirer sur nous avec leurs armes. Parce que, voyez-vous, je l'ai dit, ils sont dans la provocation au jour le jour. Parce qu'ils cherchent déjà des boucs émissaires. Mais nous, on a refusé de leur servir sur un plateau en or. Nous voudrons qu'ils viennent nous arrêter alors qu'on n'a rien fait. Mais il est quand même important que je rappelle que ils ne sont pas des Spider-Man. Ils ne sont pas des Superman. C'est des êtres humains. Et puis même l'État est justiciable. J'espère que vous savez que j'ai fait condamner l'État du Cameroun 2 fois. L'État est justiciable. Il faut que les gens fassent très attention. Parce que quand ces gens se comportent là, ils donnent l'impression que le Cameroun est un no man's land. Moi, j'ai vu les États les plus résistants dans ce monde, comme la Birmanie, où même le sous-préfet était colonel. J'ai vu ces États-là être réduits devant la communauté internationale. Le Cameroun n'est pas une île. Le Cameroun est dans le globe. Et chaque acte que l'État camerounais va poser sera répercuté avec des cymbales, fortement, à l'extérieur. Parce que le monde est en train de nous regarder. Sachez que les États-Unis nous regardent, l'Allemagne nous regarde, tout le monde nous regarde, même si la France fait semblant de ne pas nous regarder. Mais lorsqu'elle va voir notre résistance jusqu'au bout, elle sera dans la triste obligation, elle aussi, de se réveiller pour regarder le Cameroun. Parce que nous ne laisserons pas les imposteurs continuer à faire souffrir notre peuple pendant 7 ans. Ces gens-là veulent nous jeter dans une guerre civile parce qu'ils l'ont déjà commencé depuis le nord-ouest et le sud-ouest. Ils veulent complètement embraser le pays parce que nous leur avons demandé de partir. Il faut qu'ils partent. Ils n'ont pas été élus. Nous avons des procès-verbaux qui parlent en notre faveur. Et il faut que ces gens partent. Il faut qu'ils partent, qu'ils respectent le verdict des urnes. Le professeur Kamto a demandé au président Paul Biya de passer calmement et démocratiquement le pouvoir, de lui passer démocratiquement le pouvoir. Et d'ailleurs, il a même promis à M. Paul Biya une retraite dorée. Vous savez que, pour ce qui me concerne, si j'étais devenu président de la République, j'aurais fermé les aéroports et arrêté le président Paul Biya. Mais j'avais ici, là, il a affaire à un candidat qui est calme, qui est pondéré, qui est doux, qui est souple, qui est prêt à lui donner une retraite en or. Moi, je ne lui aurais jamais donné une retraite en or, parce que lorsqu'un État vous donne 7 années, mais alors 7 ans, fois 6, et que vous trahissez cet État, vous méritez de passer devant un tribunal. Monsieur Biya est là depuis 36 ans, je crois 36 ans, il n'a rien donné à son pays. Le Cameroun a donné à Monsieur Biya tout ce qu'aucun chef d'État en Afrique n'a reçu. On lui a donné la paix nécessaire pour la construction d'un pays, on lui a donné la révérence, on lui a donné l'abnégation. On lui a même donné, il ne restait plus que la canonisation. Monsieur Biya était en voie d'être canonisé. Donc on lui a donné tout ce qu'il fallait pour transformer le Cameroun en Eldorado. Et il n'a pas pu entourer des gens qui passent le temps à s'enrichir illégalement. Moi, je dis que si c'est moi qui avais été candidat, au terme de mon élection, Monsieur Biya serait interpellé et toute sa clique, et j'étais en prison. Parce que quand un peuple vous fait confiance, la trahison d'une confiance d'un peuple mérite un jugement. Mais bon, M. Kamto a dit, moi je suis démocrate, je vais travailler avec tout le monde, M. Biya aura la retraite la plus aisée au monde, lui et sa famille, et même, il est allé jusqu'à dire, ceux-là qu'il appelle même tribalistes, il est même allé jusqu'à dire que même ceux-là qui l'entourent, il ne va pas les poursuivre. Au contraire, on devrait plutôt prendre ce monsieur comme un dieu.
Parce que je vous dis, moi, je n'aurais jamais fait ce type de déclaration. Donc, pour moi, il faut que les Camerounais sachent que Maurice Kamto est une perle que Dieu vient de susciter au peuple camerounais pour 2018. Si nous ratons le coach de faire de lui le président qu'il est devenu à travers les votes, alors soyons rassurés que ça va être très difficile pour notre pays de changer. Nous allons continuer à croupir sous le poids de ces gens qui ont abusé de nos vies, qui ont transformé nos parents en loques humaines, qui ont transformé les jeunes en benskineurs, qui ont transformé la jeunesse en colboxeurs et autres. Donc pour moi, je ne veux pas beaucoup plus extrapoler. J'attends que les résultats soient donnés. J'attends voir si le peuple camerounais, dans sa maturité, va revendiquer son vote. Mais nous n'appellerons pas le peuple camerounais à revendiquer son vote. Le peuple camerounais est suffisamment mature. Il va revendiquer son vote. Mais nous, en même temps, nous ferons ce qu'il y a à faire. De toute façon, je vous ai dit que notre résistance sera citoyenne. Elle sera... Nous n'avons pas d'armes. Monsieur Kamto ne cache aucune arme. Il m'est souvent arrivé de regarder certains faux profils sur Facebook qui disent qu'il y a des conteneurs d'armes que Monsieur Kamto a importés. Vraiment, je peux vous rassurer que Monsieur Kamto dort chez lui-là. Il n'a même pas la torche. Une torche comme ça. Il n'a même pas une torche. Vous vampirisez un être humain pour rien. Vous satanisez un homme aussi saint pour rien. Monsieur Kamto a dit, je suis prêt, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que je serai le président des Bamileke, le président des Béti, le président des Nordistes, le président des Sudistes, le président des Douala. Il a dit, et l'une des raisons pour lesquelles je suis à côté du professeur Kamto, c'est pour l'obliger à appliquer ces promesses-là. Parce que vous savez que moi-même, je suis dur. Si je suis à côté du président Kamto, je serai là pour lui rappeler que, mais monsieur, tu as dit que tu vas être le président de tous les Camerounais. Donc que les Camerounais me fassent confiance, parce que ma seule présence auprès du président Maurice Kamto est une caution réelle, pour que les gens lui fassent confiance. Ce type est presque inoffensif. Pour les gens qui le connaissent, je ne sais même pas s'il pèse 70 kilos. Pour les gens qui le connaissent, il est du tout inoffensif. Pourquoi est-ce qu'on le barbarise? Pourquoi est-ce qu'on le satanise? Pourquoi est-ce qu'on le vampirise? Ce monsieur ne mérite pas ça. Chers Camerounais, vous qui me suivez ce soir, je voudrais vous parler, permettez-moi de vous parler. Tournez le dos et refusez les appels au tribalisme. Tournez le dos et refusez les appels à la haine. Ces appels sont faits par le régime pour mettre le pays à feu et à sang. Nous n'allons pas les servir sur un plateau en or pour qu'ils mettent notre pays à feu et à sang. Nous aimons beaucoup ce pays. Tournez le dos à tous ceux-là qui passent leur temps dans des réseaux sociaux à vampiriser le professeur Maurice Kamto, c'est un homme inoffensif. C'est un homme d'une morale presque imparable. Je vous dis, pour avoir été à ses côtés ces dernières semaines, je vous assure, si un seul instant, ce monsieur avait jeté le doute dans mon esprit, j'aurais quitté cette coalition. Parce que moi, je ne me laisse pas prier. Il n'y a rien qui m'attache, je n'appartiens pas aux sectes. Je n'appartiens à aucune secte. Donc rien ne m'aurait attaché à côté du professeur Maurice Kamto. J'ai trouvé un homme humain, un homme bien, un homme sérieux, mais un homme qui mérite la confiance des Camerounais. Véritablement, vous lui avez fait confiance, le 7. Alors, continuez à nous faire confiance. Nous avons décidé de mourir pour vous. Nous avons décidé de faire acheter des millions de cercueils par le régime de M. Biya pour nous enterrer. Peut-être vont-ils nous enterrer la nuit, peut-être vont-ils nous enterrer le jour. En tout cas, vous serez au courant lorsqu'ils vont vouloir enterrer M. Paul-Éry Kingé, M. Pendaïkoka, M. Kamto, M. Bibou et tous les autres. Moi, ma maison est encerclée de policiers.
Ma maison est encerclée de policiers. C'est le lieu de le dire aujourd'hui. Je ne suis pas encore arrêté, comme j'ai entendu la rumeur circuler. Mais ma maison est encerclée de policiers. Je dors dans ma maison. Je ne me reproche rien parce que je n'ai ni armes à jeter contre les autorités, ni bagarre physique. Notre bagarre va être intellectuelle. Notre bagarre va être diplomatique. Notre bagarre va être sur un stade beaucoup plus sérieux que les armes. Parce qu'avec les armes, nos frères mourront et nous, nous ne voulons pas que nos frères meurent. Voilà ce que j'avais à vous dire. Mais enfin, je demande que vous vous mettiez en communion d'esprit pour penser à M. Okala Ebode, qui est dans une cellule tout seul, impossible de recevoir, recevoir des visites et de ses avocats et autres. Je tenais à dire à la communauté nationale et internationale notre détermination ferme à faire respecter le vote des Camerounais. Je vous remercie. Alors peut-être pour finir, il y a une dernière question en ce qui concerne les éléments de Transparency. Est-ce que vous avez un commentaire dessus? Parce que le sujet est... Oui, effectivement, les gens de Transparency, voilà une autre curiosité planétaire. Nous avons vu un groupe de personnes ici. Je suis même allé sur Google pour regarder qui sont ces gens. Mais parmi eux, il y a un chasseur, un chasseur d'oiseaux, que le régime est allé prendre à l'extérieur du pays pour venir nous les présenter comme des observateurs électoraux. Je peux vous rassurer que j'ai eu la chair froide quand j'ai lu le profil de ces gens qu'on a amenés ici. Beaucoup sont des pêcheurs, d'autres des chasseurs, et on nous les a amenés ici. On leur a même donné des véhicules, ils ont circulé dans de grands véhicules, pour leur faire pondre des communiqués préparés par le régime pour cautionner une élection comme celle-ci qu'ils sont pratiquement en train de hold-upper. Nous, on ne peut pas les laisser hold-upper cette élection. Nous ne laisserons pas ça. Et d'ailleurs, nous nous réservons d'ailleurs le droit de poursuivre ces chasseurs-là, ces chasseurs européens et israéliens qui ont tenté de venir dans notre pays fourvoyer des millions de Camerounais. Donc pour nous, mais ce qui m'a choqué le plus sur cette question, c'est que depuis qu'on a présenté ces gens dans les télévisions comme des imposteurs, Issa Tchiro Bakary a perdu sa langue. Il ne parle plus. Monsieur Atangandji, notre ministre karatéka, a perdu carrément ses muscles. On ne le voit pas s'agiter. Alors qu'en fait, les deux devraient sortir pour dire qu'ils ne savent pas d'où sortent ces gens. Des gens qu'on présente comme étant de Transparency, mais qui s'avèrent ne pas être de Transparency, méritaient vraiment que M. Issa Tchiroma sorte de son silence et que donc M. Comment on l'appelle, Atangandji, sorte donc pour faire le karaté sur ces gens-là qui se sont présentés à nous comme de grands observateurs électoraux. Mais soyez rassurés, nous sommes sereins. Dans cette affaire-ci, l'acteur est mort lui-même dans son film. Nous ne baisserons pas les bras. D'accord. Merci infiniment, Paul Rikinge. C'est moi qui vous remercie. Soyez une presse responsable. Continuez à travailler pour la stabilité de notre pays. Continuez à travailler pour que le pays sorte du joug, n'est-ce pas, de ces gens qui ont pris le peuple en otage. Nous serons chaque jour à vos côtés, mais dès demain, nous promettons au peuple camerounais de leur faire voir les PV. D'accord. Merci. Merci, monsieur Paul-Éric Kinguet. C'est moi qui vous remercie.